Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce soin audio, la rencontre du guide. Je suis Sandrine Couder, je suis médium, énergéticienne et thérapeute. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire un formidable voyage à la rencontre de votre guide spirituel. Avant de faire cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre aussi un pouce en l'air. Vous allez vivre un formidable voyage intérieur. Vous allez partir à la rencontre de votre guide spirituel. Vous allez pour cela vous placer dans un endroit agréable. Vous ne serez pas dérangé pendant quelques minutes. Pour plus de confort, je vous invite à mettre des oreillettes ou bien des écouteurs. Vous pouvez également vous asseoir ou bien vous allonger. Vous pouvez fermer les paupières ou bien les garder ouvertes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi allumer une petite bougie blanche. Pour faire ce soin, je vous invite à avoir l'estomac léger, à avoir pris un bain, à être bien détendu. Faites ce soin à un moment approprié. Nous allons commencer. Nous avons tous un guide spirituel qui nous est attribué dès la naissance, avant même que nous venions sur terre. Notre guide connaît notre parcours de vie, notre chemin, notre mission de vie. Il connaît toutes nos vies antérieures, notre destinée et l'heure même de notre mort. Notre guide nous a choisis parce que nous avons les mêmes énergies que lui. Il connaît toutes nos faiblesses, toutes nos forces. Et plus d'une fois dans votre vie, vous l'avez entendu. Cette petite voix qui vous dit « Ne fais pas ça ou ne prends pas cette décision. » Il nous donne parfois des frissons, du froid, du chaud. Quelquefois, il peut même apparaître devant nous sous forme d'une plume, d'une médaille que l'on trouve, de suite de nombres ou bien des heures miroirs. Il peut même aussi faire apparaître son prénom plusieurs fois dans la journée ou même vous faire entendre de belles musiques. Quelquefois, c'est la même musique qui revient. Ne vous y trompez pas. Il s'agit tout simplement de votre guide. Votre guide spirituel qui essaie par tous les moyens de vous faire passer quelques messages. Alors, quelquefois, il passe par des médiums pour vous dire qu'il existe, qu'il est bien là. Votre guide vous ressemble bien plus que vous ne le pensez. Il ressent quelquefois les mêmes choses que vous. J'imagine que vous avez hâte de le retrouver. Il se peut que vous ne le voyez pas vraiment, que vous ne puissiez pas distinguer son visage, mais vous allez certainement sentir une présence auprès de vous, ou bien voir une lumière, car il n'est qu'énergie évidemment. Ils peuvent toutefois se présenter à vous sous forme humaine. Alors ne vous fiez pas simplement aux apparences. Votre guide est certainement plus beau que vous ne le pensez, car il vous ressemble. Et sa beauté est intérieure. Ne cherchez pas une beauté physique. Recherchez simplement l'amour que vous allez ressentir au plus profond de vos entrailles. Vous allez peut-être ressentir aussi un message de l'espoir, quelque chose qui vient vous aider divinement, car il ne faut pas oublier que votre guide vient des plans lumineux, de la source du bien, de Dieu, de l'univers. À présent, vous allez détendre votre corps
En commençant par le crâne, détendez bien votre crâne, votre esprit. Éliminez toute pensée négative. Extirpez les pensées les plus sombres pour laisser la lumière venir en vous. Si des pensées parasites interviennent, ne les bloquez pas et laissez-les passer. Pour que le guide puisse vous parler, il faut que votre esprit soit débarrassé du mental. Vous pouvez respirer calmement. Inspirez et soufflez. Inspirez par le nez. Et soufflez profondément. En soufflant, vous libérez toutes les tensions du corps. Inspirez. Et soufflez. À présent, vous allez vous consacrer simplement au son de ma voix. Et essayez de faire le vide dans votre esprit, le vide total. Vous allez alourdir votre corps un peu plus, comme si vous décidiez de vous enfoncer là où vous êtes. De plus en plus, vous sentez les points d'appui de votre corps. Et vous allez simplement relâcher tous les muscles. Relâchez complètement toutes les fibres de votre corps. À mesure que je parle, vous avez l'impression de vous enfoncer un peu plus. Comme si vous comptiez disparaître. Enfoncez-vous encore un peu plus. Vous allez maintenant scanner votre corps un peu comme si un laser était en train de balayer votre corps. Vous allez commencer par le bas du corps, puis vous remontez petit à petit jusqu'au sommet du crâne, comme un balayage incessant. Au plus vous balayez votre corps et au plus vous vous détendez. Un peu plus, encore un peu plus. Au plus vous détendez, au plus votre esprit se décroche. Votre esprit conscient va rester là, tandis que votre esprit inconscient, lui, va se libérer. Va partir à la rencontre de votre guide d'amour, votre guide spirituel qui ne veut que votre bien. Vous allez simplement vous concentrer sur votre guide et vous allez en même temps créer une bulle d'énergie, une bulle d'énergie lumineuse autour de votre corps physique. Pour faire cela, vous allez simplement dire mentalement « Je crée maintenant une bulle d'énergie protectrice ». Je crée maintenant une bulle d'énergie protectrice. Imaginez une bulle d'énergie comme une bulle de savon qui apparaît maintenant autour de vous, qui englobe votre aura et votre corps physique. Cette bulle de protection est invincible, invisible, invulnérable, impénétrable. Elle protège votre corps physique pendant que vous serez dans les plans supérieurs avec votre guide de lumière. À présent, vous allez sentir votre corps physique devenir
de plus en plus lourd, comme si vous étiez une grande pierre, très lourde. Et vous allez sentir votre esprit se décoller de votre corps. Vous ne risquez absolument rien. Tout est bien. Il faut savoir que vous faites cela toutes les nuits. Vous quittez votre corps pour voyager dans l'astral. Vous allez maintenant quitter votre corps physique et vous allez sentir près de vous une présence chaleureuse. En toute confiance et en toute conscience, vous allez partir avec cet esprit merveilleux qui est votre guide de lumière. À présent, vous allez simplement imaginer qu'il y a une présence chaleureuse avec vous et que vous allez pouvoir quitter ce corps, ce monde bruyant, assourdissant, ce monde parfois tellement triste, pour aller dans un monde d'amour, un monde où tout est plus beau, tout est plus lumineux, tout est plein de vie, d'espoir. La nature est si belle, elle est propre, et les êtres de lumière respectent la nature. Ils savent que la nature est précieuse. Dans ces plans supérieurs, dans ces plans lumineux, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de désespoir ni de méchanceté. C'est chez vous, c'est votre maison et aujourd'hui, vous retournez, un court instant peut-être, mais vous retournez chez vous. Dans ces plans que vous allez tout de suite reconnaître, prenez la main de votre guide et laissez-vous guider. Vous êtes maintenant avec lui. Vous pouvez apercevoir peut-être son énergie, sentir sa présence. Vous êtes en sécurité. Peut-être que vous allez voir d'autres visages. Peut-être que maintenant vous êtes en présence d'autres guides. Peut-être que vous êtes monté tellement haut que vous pouvez voir autour de vous des personnes de l'au-delà, des personnes aimantes, des proches. Peut-être qu'ils vont pouvoir discuter avec vous. Je vous laisse quelques instants avec eux et vous allez prendre bien soin de regarder autour de vous, d'ouvrir vos yeux astro. Pour pouvoir voir avec vos yeux astro, il vous suffit simplement d'y croire. Ouvrez les yeux astro. Ouvrez votre troisième œil. Prenez bien le temps de regarder tout ce qui se passe autour de vous. Tout peut paraître différent. Les couleurs sont différentes. Ce n'est qu'énergie. Mais les choses peuvent ressembler au monde réel. La végétation, le ciel, les odeurs, la présence chaleureuse du guide. L'amour que vous pouvez sentir multiplié par 100, par 1000, par 10 000, par 1 million. Vous allez rester quelque temps avec votre guide. Il va pouvoir vous envoyer des messages.
vous donner des réponses. Vous allez ressentir peut-être des intuitions. Ou peut-être que simplement vous pouvez voyager avec lui. Faire un voyage. Un voyage quelque part, là où vous êtes le mieux. Dans un bord de mer. Une plage paradisiaque. À Rome, à Venise, à Madrid, n'importe où, là où vous vous sentez le plus en sécurité. Ou peut-être que vous pouvez être avec des âmes défuntes. Prenez le temps de bien ressentir la présence des âmes, de l'amour. Peut-être que vous pouvez revoir un animal de compagnie disparu. Remplissez-vous, abreuvez-vous de la source de l'amour. Lorsque vous reviendrez dans votre corps physique, vous serez peut-être beaucoup plus heureux ou heureuse qu'avant. Vous aurez de l'énergie pour affronter toutes les difficultés de la vie, car vous savez que tout cela existe, que tout cela est bien réel, que l'amour infini, que l'intelligence suprême existe et que vous faites partie d'un grand tout. Il est fort possible aussi que vous rentrez en contact avec votre moi supérieur, la partie de votre âme la plus belle, la plus grande qui est restée dans les plans supérieurs. C'est une belle lumière blanche. Il se peut aussi que, une fois réintégré votre corps, vous ayez des signes de votre guide. Des signes qui vous montrent qu'il était bien avec vous. À présent, vous allez faire le chemin inverse. Vous allez sentir que votre corps physique vous rappelle. Alors, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect et d'authenticité, votre guide va vous ramener à votre corps physique. Vous allez le remercier chaleureusement pour ce voyage. Il se peut que vous puissiez voir son visage ou sentir sa présence. Sentir peut-être une main chaleureuse sur votre épaule. Vous allez rentrer dans votre corps sur un compte de 3. 1, 2, 3, vous êtes comme un gant entré dans votre corps. Vous allez bientôt pouvoir revenir dans l'ici et maintenant, en parfaite sécurité, en parfaite santé. Lorsque vous allez ouvrir les paupières, vous serez parfaitement réveillé, dans un bien-être total. Vous allez pouvoir reprendre une activité normale, tout de suite après le soin. Votre bulle de protection est toujours active. Vous pouvez la refaire si vous avez envie de refaire ce soin ou bien simplement pour vous protéger des ondes négatives. Vous êtes parfaitement nettoyé, ressourcé, régénéré car la présence du guide et les plans supérieurs nettoient votre aura.
Vous pouvez maintenant ouvrir les paupières, prendre une grande inspire, souffler, vous étirer. Vous avez maintenant rencontré votre guide. Vous savez qu'il est toujours avec vous, qu'il vous protège tous les jours de votre vie et que chaque fois que vous vous couchez, souvent vous faites comme ça, des voyages dans l'astral avec votre guide. Aujourd'hui, vous avez simplement fait ce voyage en conscience. Vous pouvez maintenant vivre une vie apaisée en sachant que les âmes défuntes ne nous quittent vraiment pas. Ils sont toujours vivants, dans un autre plan d'existence. Un plan que vous retrouverez, comme par magie, quand l'heure sera venue. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt les amis. Marchez toujours dans la lumière. À bientôt.